Revolutionäre Projekte sind oft das Werk von revolutionären Geistern. Von Menschen, die die Dinge anders sehen. Die EU ist das erfolgreichste Friedensprojekt der Welt. Wie aber fing alles an? Wer waren die Visionäre, die den Traum vom Frieden und der europäischen Einigung in die Tat umsetzten? J'ai entendu parler de Jean Monnet pour la première fois aujourd'hui. Je connaissais pas. Avant qu'on en parle en cours, je connaissais pas. Je connaissais pas Jean Monnet. In einer Zeit, als Europa vom Krieg geteilt und zerstört war, versuchte Jean Monnet unermüdlich, den gesamten Kontinent auszusöhnen. Auf seinen Ideen fußte der Schumann-Plan, der die Kohle- und Stahlerzeugung von 6 Staaten bündelte und die erste europäische Gemeinschaft schuf. Er war wegweisend für die Europäische Union von heute. Jean Monnet setzte sich sein Leben lang für Einigkeit und Frieden in Europa ein. Monnet, c'était un homme sans complications, pas prétentieux pour deux sous, mais qui savait très bien ce qu'il valait. Jean Monnet, il était très simple, très gentil, c'était l'homme intelligent qui savait se... D'ailleurs, ce qui est drôle dans le... Je vais vous raconter quelques anecdotes quand même de Jean Monnet. À la fois proche et distant, comme il était lui-même, il était très doux, très proche des gens quand il parlait avec eux, et distant parce qu'il avait quand même... Il diffusait une impression, une stature qui, même lorsque j'étais petit, je la ressentais. En 1945, Jean Monnet rentre des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, après avoir joué un rôle clé dans le fort de Guerre. Il veut s'installer près de Paris, mais aussi il veut être à la campagne pour pouvoir travailler tranquillement et suivre l'actualité internationale en même temps. Hier, am Kamin seines Hauses im Dorf Ujaret, sprach er gern mit Journalisten und Kolumnisten über die Zukunft Europas. Hier war er umgeben von seiner Familie und tatkräftigen Gleichgesinnten. Seine Arbeitsweise war anders als die konventioneller Politiker. Er ging täglich im Umland spazieren, sprach mit Gästen und denen, die er traf, über seine Ideen. Et c'est pas par hasard qu'il est arrivé ici. Ils avaient passé quelques années à Washington. Et Monnet a toujours marché le matin, mais à Washington, il a vraiment commencé à développer cette routine de ses marches matinales qui lui permettait de distiller ses idées et de les clarifier, qui l'aidait vraiment à réfléchir. Et il disait parfois « je réfléchis avec mes jambes ». Et il ne manquait pas de s'arrêter pour discuter avec ceux qu'il croisait sur son chemin, des simples citoyens, un agriculteur, un commerçant, un jeune qui se rendait à l'école. Et Jean Monnet, finalement, les interrogeait sur un certain nombre de sujets qui pouvaient sembler anodins, mais finalement, on peut dire, sans se tromper, que Jean Monnet pratiquait là son propre sondage d'opinion. Il nous posait toujours des questions sur « qu'est-ce que vous pensez de, à l'heure actuelle, pensez de ceci, cela ?» Donc, il allait à la campagne, comme dit l'autre, pour prendre les idées des paysans. Voilà. Il parlait avec tout le monde. Et à l'époque, on rencontrait Monnet dans le couloir, et il ouvrait la porte de la secrétaire de quelqu'un et il disait « il est là ». Et le cas échéant, il pensait. C'est arrivé à ma femme plusieurs fois. C'est-à-dire, je sais qu'il avait d'excellentes relations avec son voisinage ici, mais je sais aussi qu'il pouvait téléphoner à Eisenhower, qu'il pouvait téléphoner à Adenauer, qu'il pouvait téléphoner à n'importe quel haut personnage, même avec De Gaulle, et qu'il avait une aisance absolument totale avec tout le monde, quel que soit le statut social. Alles, was er schrieb, sollte einfach und für alle verständlich sein. Jahrelang kamen Würdenträger und Politikgrößen aus aller Welt nach Ujaret, um mit Monnet über die Zukunft Europas zu sprechen. La grande force de Monnet, c'était d'arriver à partir de situations complexes, d'en distiller l'essence et de trouver des solutions simples à ces situations complexes. Et comme on sait, c'est beaucoup plus compliqué de faire court que de faire long. Par exemple, une anecdote à nouveau, Jean Monnet faisait relire tous ses textes en premier par son chauffeur.
Et si ce dernier ne comprenait pas, évidemment, on faisait refaire le texte. Il pouvait y avoir jusqu'à 30 versions d'un document, jusqu'à ce qu'il soit vraiment synthétique et très facile à comprendre. Alors c'est très difficile de parler de Jean Monnet sans parler de Sylvia Monnet. C'était la personne à laquelle il revenait en permanence. Donc elle a vécu ici, elle était peintre, elle peignait ici, dans le salon, elle était cette espèce de constance qui était toujours là lorsqu'il revenait. Et puis c'était une sorte de sounding board, c'était quelqu'un sur qui il testait ses idées. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il était entouré d'hommes. Les femmes, c'était des secrétaires ou des traductrices. C'est-à-dire qu'il y avait des dames sans lesquelles ça n'aurait pas marché, tout simplement. Je crois que tous les agents qui ont travaillé avec Monnet ont eu l'impression de construire quelque chose. Et du coup, cette idée qu'il fallait construire des mécanismes qui n'étaient pas forcément des mécanismes mathématiques, elle était extrêmement inspirante pour les gens qui ont travaillé au plan. Et je pense que c'est cette idée-là qui est au cœur de la construction européenne. L'économie comme moyen de résoudre les conflits humains plus pacifiques que la guerre. Monets Vertraute sagten, er habe darum gebeten, das Haus eines Tages für junge Leute zu öffnen und sie dort willkommen zu heißen. Das Europäische Parlament erfüllte diesen Wunsch. Es schuf einen Ort für Bildung, Begegnungen und Gespräche, an dem man sein Geschichtswissen vertiefen und mehr über die Arbeitsweise der EU erfahren kann. 1982 kaufte es das Jean Monnet Haus und machte es zu einem Museum und Informationszentrum. On a connu Monsieur Monnet et après, quand on a entendu parler que le Parlement allait reprendre les rênes de la maison Jean Monnet et puis qu'il y allait y avoir beaucoup de choses, c'était dit. Enfin, moi, personnellement, je me suis dit on va perdre Jean Monnet, donc on pourra plus y aller, donc ça sera vraiment quelque chose de très fermé. Et non, je m'aperçois justement, au contraire, que c'est très ouvert et tout sera, tout va aller en s'améliorant. Comme avant, mais sans lui. Voilà. Alors aujourd'hui, sur le site, il y a bien sûr le musée qui est ouvert tous les jours et qui reçoit environ 10 000 ou 12 000 visiteurs. Pour cela, on utilise la méthode de Jean Monnet, tout simplement. Parler, dialoguer, se comprendre, discuter, échanger. Nous, on accueille toutes sortes de jeunes, des jeunes sans emploi, des scolaires, des lycéens, des collégiens, des étudiants. Souvent, ils arrivent à la maison Jean Monnet en traînant les pieds. Voilà. On leur explique que Jean Monnet n'a pas eu son bac. Il est parti de l'école, il a appris l'école de la vie. Donc ça, déjà, ça ouvre. Ils ouvrent des yeux comme ça, complètement étonnés. Et franchement, quand j'ai vu qu'il n'avait pas du tout fait d'études, enfin, il n'avait pas de diplôme, je me suis dit, mais waouh ! En fait, il a fait de grandes choses sans même faire des études. Et c'est ça qui m'a surtout impressionnée. Donc je pense aussi que, comme nous a dit son petit-fils tout à l'heure, qui marchait et qui parlait pas, je pense que c'était un homme qui était très introverti, mais qui devait avoir mille et une idées en tête. Par tout ce qu'il y a ici, quoi, c'est vraiment... c'est pas très moderne. Voilà, on ressent vraiment des choses très, très anciennes. Je trouve qu'il y a une façon de travailler qui est en réalité très contemporaine. Vous êtes à l'endroit où il a reçu je ne sais combien de personnes, ou est-ce que je ne sais combien de documents qui ont fait ce que notre histoire est aujourd'hui, et ça ne peut être qu'inspirant pour chacun d'entre nous, ici en tout cas aujourd'hui. Seitdem hat das Haus einige Wandlungen durchgemacht. Es vergrößerte sich, um die Erinnerung für das Publikum von nah und fern wachzuhalten und allen einen Ort zu bieten, die mehr darüber erfahren möchten, wie die EU funktioniert und wie einer der Gestalter des Europas von heute lebte. Ujaray wurde auch Sitz der Jean Monnet Akademie. Sie bietet unterschiedliche Schulungen für das Parlamentspersonal an. In dem Haus finden zudem wissenschaftliche Konferenzen im Rahmen der Jean Monnet Seminare statt. Ici, nous recevons régulièrement des groupes dans le cadre de ce qu'on appelle le Jean Monnet Dialogue.
Et à ce titre-là, un des premiers groupes qu'on a reçus ici venait de l'Assemblée nationale, de la Rada, comme on l'appelle là-bas, ukrainienne. Il y avait des cris, il y avait des chaises qui volaient. Ça, c'est arrivé. Alors, à un moment donné, effectivement, il y a un des leaders politiques qui a souhaité partir de la conférence, ce qui faisait capoter tout l'événement. Et il me dit, j'ai besoin d'un taxi. Donc je lui dis, oui, bah écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc je lui explique que, étant à la maison Jean Monnet, ici nous sommes à la campagne, et que ça va être difficile, dans l'heure qui suit, de lui trouver un taxi. Et grâce à ça, on a pu le convaincre. Ça lui a laissé un petit peu de temps, et ça l'a convaincu de retourner à la table des négociations. Le lieu devient à la fois, ça continue à être un lieu de mémoire, mais ça devient un lieu de rencontre, y compris entre les institutions. Par exemple, le 30 janvier 2020, les trois présidents de trois institutions européennes se retrouveront à la maison Jean Monnet pour discuter sur l'avenir de l'Europe. In den letzten 40 Jahren verwandelte das Europäische Parlament das Jean Monnet Haus in einen Ort lebendiger Geschichte und eine Inspirationsquelle. Das Publikum soll hier die Vergangenheit erkunden und das Gelernte in Gegenwart und Zukunft anwenden. Das Haus in Ujaret ist für künftige Generationen bewahrt worden als Ort der Bildung, Begegnung und Vermittlung. Es bringt Monnets Grundwerte, Frieden und Solidarität, Bürgerinnen und Bürgern aus der gesamten EU näher. Non, je redirais simplement que pour moi, il est toujours dans mon cœur et Jean Monnet, si on me demandait quel est le plus grand de France, je dirais c'est lui. Je pourrais dire presque d'Europe, parce que quand même, c'est un grand monsieur. Et j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Je pense que c'est la personnalité qui m'a marqué le plus. Cette maison est vraiment spéciale pour moi parce qu'elle a une âme. Là, on a vraiment un visage, un son. Et donc l'histoire orale, c'est un vrai outil pédagogique, didactique, qui rend de très, très, très grands services. Ce que je retiens de son histoire, c'est qu'il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui sont quelqu'un, être quelqu'un, et il y a des hommes qui font quelque chose pour ces personnes-là. C'est ce que j'ai retenu. Et j'ai le choix entre les deux. Et je pense que je veux devenir quelqu'un et avoir autour de moi des gens comme Jean Monnet. Voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Voilà, c'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui. Les grandes avancées dans ce monde et les grandes idées et tout ce qui fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça a commencé par des hommes comme Jean Monnet, des gens simples qui avaient des convictions forgées dans des endroits simples comme celui-ci, dans des discussions simples avec des gens qui n'avaient qu'un intérêt, qu'un objectif, c'était de faire un monde meilleur. Eh bien, c'est ça, je pense, la grande leçon d'une visite à Ujaret. It's a bit inspiring that we're actually somehow living in Jean Monnet's dream. And the irony is that if we don't want to wake up from this wonderful dream that we have, we need to wake up. And we need to sort of get re-inspired and remember that all of this didn't just happen. It took a long and hard work, and that, I don't know, we need to remember, and we need to protect it, and we need to defend it all the time. Et en étant ici, en me baladant dans le jardin, tout comme Jean Monnet le faisait d'ailleurs, j'ai une envie profonde de continuer cette construction européenne parce qu'elle est inachevée actuellement. C'est que, d'après son petit-fils qui est venu nous voir, apparemment c'est une personne qui avait un contact très simple avec les enfants. Et ça se ressent également par ses écrits. Il voulait vraiment que tout le monde puisse le comprendre. Et je pense que ça a été le meilleur lieu où je pourrais m'inspirer. Car avant tout, c'est un homme, mais un grand homme, qui faisait des choses, qui écrivait, qui donnait des idées. Et je pense que c'est sur cet homme-là que je dois m'inspirer. C'est sur cet homme-là, que je dois porter mon regard. Et je pense que c'est un peu dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, parce qu'il nous aurait peut-être beaucoup aidé. Mais juste le fait de se balader, d'écouter son histoire, de regarder ses photos, c'est très inspirant, très très inspirant.
Et je pense que tout le monde ne peut être que reconnaissant de ce qu'il a fait aujourd'hui et de ce que l'Union européenne et nous défendons, la nouvelle génération.